Bonjour, je suis Sophie Debatz, autrice de Voyage au bout du burn-out, dont je vais vous parler avec Julie aujourd'hui. Bonjour Sophie, est-ce que tu peux me dire comment est né ce livre ? Alors j'ai passé plus de 20 ans de ma vie dans les entreprises privées. Et quand j'ai quitté la dernière, j'étais très en colère, au bord du cynisme. En même temps, quelqu'un de très avisé m'a demandé quelle était la place de la femme dans ma lignée familiale. Alors je suis allée m'asseoir dans le grenier chez ma mère et j'ai découvert des photos et des correspondances entre les femmes de ma famille pendant la guerre. Et dans ces photos et cette correspondance, j'ai entrevu leur demi-sourire, j'ai senti leur sensibilité et j'ai commencé à élargir ma famille. Et puis je suis partie en voyage avec mes ancêtres. J'en ai un qui est parti en 1730 à cheval de Flandre pour combattre les Turcs en Hongrie. Je lui ai demandé pourquoi, ce qui l'avait poussé à faire ça. J'ai aussi une ancêtre, Céline, qui est rentrée dans les ordres en 1840. J'ai des correspondances d'elle et j'imagine que ces correspondances étaient censurées par la mère supérieure et j'ai essayé d'entrevoir quelle était la quête de la vie de Céline. Mon livre tourne autour de cette colère, des injonctions que j'avais des grandes puissances technico-économiques et d'un autre côté, autour de la douceur, de la quête de vie de mes ancêtres. Je me suis beaucoup amusée aussi à remplacer les gens dans l'entreprise par les bons soldats, les petits suzerains et les mères supérieures. C'est fou, j'ai même rencontré un gourou, vous savez, dans mon entreprise, qui m'était envoyé par les ressources humaines. C'est fou comme les principes psychologiques sont utilisés par les dirigeants. Et c'est un petit peu du pain pour le peuple, du pain et des jeux pour le peuple. Il y avait même un billard dans mon entreprise. Et c'est comme ça que l'histoire recommence, finalement. Un travailleur sur six est touché de près ou de loin par le burn-out. Et les signaux d'alarme qui nous mènent au burn-out sont très subtils et très difficiles à décrire. La flamme prend du temps à mettre le feu. Et parfois, on croit que cette flamme, c'est la passion du métier. Et j'ai tout le temps pensé à mes collègues qui, comme moi, voyaient le malaise grandir et qui essayaient de faire changer des choses en entreprise. Et parfois, on y arrivait, mais parfois, c'était mission impossible. Qu'est-ce que tu as trouvé auprès de tes ancêtres ? Eh bien, en me replongeant dans les siècles passés, bon, j'ai trouvé de la douceur, la prise de recul, mais je me suis aussi dit que quel que soit le dieu vers lequel on se tourne et quelle que soit l'époque à laquelle on vit, il y a toujours un feu, la quête du sens de la vie. Et je pense aussi qu'à un moment, toujours, ça commence à sentir le roussi. Et c'est à ce moment-là qu'il faut retrouver sa liberté intérieure. Et donc finalement, qu'est-ce que le burn-out pour toi ? Alors, tous les burn-out sont différents, mais moi, j'aime bien la définition de Patrick Meesters, qui dit que le burn-out, c'est l'expression d'une tension excessive entre l'idéal qui habite les êtres et les contraintes de la réalité qui en restreignent la concrétisation. J'aime aussi quand Pascal Chabot, philosophe belge, compare le feu et les combustibles qu'on utilise, donc les énergies fossiles, pour faire tourner l'économie, l'industrie, et qu'il compare ça au psychisme de certains humains qui sont parfois utilisés comme combustible pour faire tourner ces entreprises, etc. Donc partout, il y a le feu, mais le feu laisse descendre et jaillit toujours une étincelle pour remettre le feu.